Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Final Fantasy VII Remake. On était arrivé... Oui, et en fait j'étais en train de me dire, est-ce que je reviens en arrière? C'est par là. Est-ce que je reviens en arrière? Il y a un distributeur automatique que j'ai pas vu. Quoi? Attendez. Pour repasser, vous savez, par le haut. Il est où? Oui, justement, il est au-dessus, non? Le dit distributeur. Oui, voilà. Passons par au-dessus. Il y a un distributeur automatique. Oui, on va peut-être repasser par ici plus tard. J'ai peut-être pris le bon chemin sans le savoir tout de suite dès le début. Comment vous le savez, vous? Des caisses. Une super potion tout de même, hein. Pas dégueulasse. Je ne sais que penser de ces caisses Shinra en vrai. En vrai, je sais pas si j'ai jamais vraiment su si c'était une bonne ou une mauvaise idée. C'est bien et en même temps c'est pas bien parce qu'en fait ça fait c'est bien parce que ça te permet d'avoir des ressources entre guillemets gratuites. Mais bon, vu qu'on peut les farmer parce qu'elles reviennent et après, je sais pas, ça fait un peu chasse aux caisses, quoi. Mais j'arrive pas à dire si c'est bien ou pas bien. En fait. Je n'arrive jamais à vraiment le savoir. Là. Attends. Oui, c'est pas là. Attends. Là, il passait à côté de ce distributeur automatique. En plus, il y a une musique. Ah oui, ça te donnait la vision sur cet endroit. D'accord. En mode, tu l'as pas... C'est par là. Cosmo Canyon. Merci. Allez. Vraiment pour l'avoir. Hein. Allez. On va se soigner. Il a failli passer à côté d'une musique. Il me semble, alors, vous savez, moi je suis pas un chasseur de succès. Mais il me semble qu'il y a un succès pour avoir toutes les musiques du jeu. De mémoire. Mais alors, moi et les succès, j'en ai absolument rien à faire. J'ai toujours trouvé que c'était des ajouts inutiles. Voilà, c'est du... C'est con, mais moi j'ai toujours trouvé que c'était du temps de développement et de la programmation pour rien. C'est quelques heures ou quelques jours qu'il passe à faire ça, il pourrait passer à faire autre chose. Voilà. Mais bon, c'est mon avis personnel. C'est quand, mais une heure, ça peut servir à améliorer les choses. Ah, mais ils reviennent! Ah, mais c'est très bien ça! Dégage. Qu'est-ce que j'ai foutu? En avant. D'accord. Pardon. Et ils reviennent. Intéressant. Enfin, c'est pas les mêmes, hein, mais... Ils ont pas de nom, mais... Donc là, il va me les remettre aussi, alors. Les deux voleurs et la machine. Je suppose que oui. Ah non. D'accord. Ok.
Alors, faut mettre Aeris là. Alors, bon. Ici aussi, l'échelle est remontée. Bon, je vais en bas. Cloud, tu t'occupes du bras grue, d'accord? Oui. Alors. Monter, descendre, changer de bras grue avec triangle. Ok, c'est celui-là, le premier. Elle est où ? Cloud ! Alors. Poser le conteneur ici. Monter. Tourner. Que ce soit dans ce sens-là ou dans un autre, on s'en fout. On peut pas baisser et tourner en même temps. Hein. Il veut pas. Faire monter Aeris. Va chercher la petite Materia, s'il te plaît, Aeris. Vous voyez comment je fais bien les bruits? Ah, j'aurais dû être, j'aurais dû faire des bruitages dans ma vie. Air de feu. Ah, je peux pas changer si elle est dessus, c'est vrai. Oublié. Descendre. Ah, il veut pas. Pourquoi il veut pas? On peut pas le poser là. On peut faire un peu bugger l'ordi. Moi j'aime bien. Il voudra pas poser Aeris dessus. Enfin, poser Aeris dessus, ça marchera pas. Qu'est-ce que c'est chiant. C'est marrant 5 minutes, mais il faut arrêter d'en mettre quoi. Alors. Et c'est quand même vachement bien hein, les mains qui peuvent se retourner comme ça. Ah non, oui, 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 oui. Je bête. C'est
c'est vrai, c'est pas le même joystick. Non, c'est moi qui ai fait une connerie. Et des fois, je suis con comme mes pieds, vous le savez. Cloud. Oh, c'est pas grave. Perte de temps. Pas grave. Ça passe, là, si je fais... Non, de l'autre sens. T'inquiète, Aeris, ça va le faire. J'ai mis mon cerveau en route 2 minutes. Ça, j'ai compris, je. T'as pas à me donner les indices. Je sais faire, c'est juste moi qui ai pas allumé mon cerveau. Le jeu qui te dit quoi faire, quoi. C'était trop lent. En fait, j'ai juste voulu faire un truc et ça n'a pas marché. C'est bon, on aura tous les objets. Enfin, tous les objets qu'Aeris peut aller chercher. Ça doit être vachement puissant comme bras quand même, hein. Vous imaginez le jour où on aura ça? Là, je suis presque sûr que dans certaines entreprises, il y a des trucs comme ça, hein, mais pas pour... pas pour des trucs aussi gros. Hein. Moi, je suis persuadé que ça existe. Votre travail, c'est quoi? Pilotage de bras. Voilà. Je te remercie. Je vais faire descendre l'échelle maintenant. Heureusement qu'elle se fait jamais attaquer. Gros coup de pied dedans comme d'hab. Alors c'est pas comme ça que vous faites descendre des échelles, hein. C'est pas en donnant des coups de pied dedans, hein. Je vous le dis tout de suite. Déjà il y a une chance sur deux qu'elle soit rouillée. Et vous allez juste vous éclater le pied comme un con sur une échelle. Ouais, bien joué. Attends, tu voulais... Dépêchons-nous. Ah, le vent qui s'est pris. Il a mis 25 vents à Aeris. Je ferai comme toi, d'accord? De quoi tu parles? Oups, pardon. Il a mis 25 vents à Aeris, et là qu'il veut le faire, Aeris lui met un vent. Normal. Après, Cloud, c'est un guerrier. Hein. Attendez un peu, les amoureux. Si vous voulez qu'on vous laisse passer, vous allez nous donner toutes vos possessions. Ah, il y a le mur. Vous m'énervez. Attends. On a réussi! Regarde, la sortie! Non. Alors oui, dans FF7, on rencontrait pour la première fois ici le mob maison. Une maison qui se transformait en monstre. C'est un peu bizarre comme mob, mais c'est comme ça. Allez, on y va!
Il y est arrivé. J'en ai rencontré plein. Je farmais ici, dans cette zone-là. C'est là. C'est le portail qui mène au secteur 7. Il est fermé. Tu sais l'ouvrir ? Dis, avant ça, tu veux pas faire une pause ? Non, j'ai pas le temps de... 2 minutes, par ici. Ici, on va faire une pause bébé. Dépêche-toi. Tu sais, je vendais des fleurs par ici, il y a longtemps. Ah ouais? Dis-moi, Cloud, tu étais bien dans la première classe, n'est-ce pas? Ouais. Je vois. Pourquoi tu me demandes ça? Ça me rappelle juste un ami. Un ami? Qui ça? Le premier garçon que j'ai aimé. Ah. Zaku. C'est quoi son nom? Je le connais peut-être. On ne peut pas le savoir. Ça va ? C'est parce qu'ils sont imprégnés de Mako. C'est la marque des soldats. Oui, je sais. Désolée, je voulais pas t'embêter. Bon, on y va ? Allez, oublions le passé. Ah là 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 là. Ah. On va dire ça. L'histoire de Zack qu'on fera sur FF7 Réunion. Je sais pas si c'est un vrai Crisis Core ou si c'est un peu comme celui-là, une histoire alternative. Je crois que ça colle plus à Crisis Core, mais je me suis pas renseigné dessus. Jamais fait en fait, jamais lancé. C'est là. Hein? Attends un instant. Regarde. Un passage secret. Il est relié au bidonville du secteur 7. Merci Iris, tu es bien gentille. Bon. Je t'en prie. Tu vas pouvoir rentrer chez toi ? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi ? Je te ramène chez toi. Ce serait pas un peu bizarre ? Oh. T'inquiète pas. Peut-être bien que je connais un autre raccourci encore moins dangereux. Oh, mais je veux l'explorer, moi. T'es sûr de vouloir y aller, alors ? Allez, oui. Ouais. Évidemment, comme à chaque fois, la fin d'une zone. Allez, U! Tifa?
tellement peur. Qu'est-ce que tu fais là? Chut. Je t'expliquerai les détails une autre fois. Pour l'instant, faut d'abord que j'aille voir Don Corneo. Tu ferais mieux d'aller rejoindre Barrett et les autres au septième ciel. Non, mais... T'as pas à t'inquiéter pour moi. J'ai un bon coup de pied. Tu le sais, non? Bon, d'accord. Allez, U! Voilà, ça c'est parce qu'on a choisi style... style combattant. Elle a cette tenue-là. Ah non! Tu vas pas la laisser seule. T'en fais pas. Tifa sait très bien se défendre. Elle s'en tirera. C'est pas si sûr. Corneo est un vrai serpent. Aussi forte que puisse être sa proie, il l'enserre peu à peu sournoisement pour briser toute volonté de résister. Tu te rends compte qu'elle va dans son repère? Il y aura aussi ses hommes de main là-bas. Ça t'inquiète pas. Elle compte beaucoup pour toi, non? Il faut à tout prix la sauver. Maintenant! Allez, c'est parti! Aeris revient dans la course. Il faut la rattraper! Ça, c'est une vraie scène de FF7, hein. L'enlèvement de Tifa par Don Corneo. Donc là, on va avoir tout un truc à faire pour changer de vêtements. Petit chapeau de cow-boy. Bienvenue. C'est pour un chocobo? La fille qui était dans le carrosse à chocobo, vous savez dans quelle direction elle est partie? Hein? Si c'est pas pour louer des chocobos, sortez. J'ai pas le temps de répondre à vos questions. T'es pas le seul à être occupé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Je peux savoir ce qui se passe ici? Oh? Eh ben, vous êtes qui, vous deux? On est à la recherche de la fille qui était dans le carrosse à Chocobo tout à l'heure. Mais on peut savoir pourquoi vous la cherchez? Ben, pour aller la sauver. Parce qu'il la trouve jolie et qu'il veut lui parler, c'est pour ça. Hein? Toi aussi, t'as ce genre de goût. Bon, par contre, on a transporté beaucoup de filles aujourd'hui. Celle que t'as vue, elle ressemble à quoi? Elle sait se battre. Elle gère un bar. Elle sait bien se battre? On ne peut pas la reconnaître avec ça. À tout hasard, ce serait pas Tifa? Exactement. Elle t'a eu avec ses yeux revolvers, toi aussi. Mon gars, t'as vraiment pas de chance. Tu vas pas pouvoir la revoir avant un bon bout de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Tifa est un cas à part. Les auditions à la résidence de Don Corneo, elle a été recommandée pour y participer. Quelles auditions? Celles que Don Corneo organise pour choisir sa femme. Et je peux vous dire que la jolie Tifa correspond parfaitement à ses goûts. Ça fait de nombreuses années que je lui recommande des filles. Je connais bien son type. C'est pour ça qu'elle va pas pouvoir sortir de la résidence avant longtemps. Peut-être même... qu'elle pourra plus jamais en sortir. Salaud! Dire où est cette résidence? Hey, mon vieux, je sais pas trop ce que t'as en tête. Mais laisse-moi en dehors de tout ça. Je veux pas de problème. Allez, tirez-vous! Ah oh, non! Il est parti. On n'a pas le choix. Parcourons la ville. Allons voir quelqu'un d'autre. Ok, vers le manoir de Don Corneo. Évidemment, vous doutez bien qu'il va y avoir d'autres problèmes à gérer. Oh, le quartier des désirs et des plaisirs. Hey, le nouveau. Pas besoin d'inspecter ce chargement. Mais c'est pour Don Corneo? Justement. Réfléchis un peu. Donc, il peut être un peu chiant dans... Bienvenue à la capitale du plaisir. Nous avons tout ce dont vous pouvez rêver et même plus. Wall Market. Vous êtes venu en couple? Pas de problème.
profiter de ces plaisirs ensemble ou chacun de votre côté. Je peux même vous trouver un travail. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez? Merci, c'est bon. Cloud, allons-y. Vous cherchez quelque chose en particulier, mes jolies? Non. Hey, vous deux, les amoureux! Vous avez trouvé l'endroit où vous alliez dormir ce soir? J'ai une chambre parfaite pour vous deux, mes petits tourtereaux! C'est combien? C'est combien? Pardon? N'hésitez pas à revenir me voir si vous changez d'avis. Oh! On peut pas aller dans le Love Hotel avec. D'après certaines rumeurs, mon fils Johnny aurait été aperçu quelque part à Wall Market. Comme il doit quitter la ville, je me suis dit que j'allais lui apporter son oreiller préféré. J'ai entièrement confiance en mon fils. Mais bon, pour être fort d'esprit, il faut absolument être en pleine santé. Et le meilleur moyen de bien entretenir sa santé, c'est de bénéficier d'un bon sommeil réparateur la nuit. C'est vrai. Bienvenue. C'est pour passer la nuit? Non. Juste une heure. Pardon. Le Love Hotel. Oh, des pissotières. Mais Rusia, on sait que t'as déjà été dans les Love Hotel. On se demande quelle est cette machine dans un Love Hotel. Stimulant, évidemment. Ceux qui n'auraient pas compris. Tiens, quand est-ce que je me suis endormi, moi? C'est dégueulasse, Love Hotel. On peut faire ça à 8 dans la chambre. Être pratique, ça peut donner des idées. Mince, si j'avais accepté de payer un peu plus, je partagerais pas ma chambre avec un type louche. Et c'est 6, pas 8 d'ailleurs. Dis, il est pas un peu louche cet hôtel? C'est très différent de ce que j'imaginais. Et quel genre d'hôtel tu t'imaginais? Eh ben, quelque chose. D'accord. Le mec ne savait pas qu'il allait dans un Love Hotel. Très bien. Iris ne veut pas rentrer, hein. Allez, vous voulez pas faire le tour? Oh, mon portefeuille. Allez. L'ancien armurier est plutôt excentrique dans le genre, mais moi je l'aime bien. Mon char de 60 et 73. Voilà. Under the Red Impeda. Notre ami Chadley. Regardez-moi tout ce bric-à-brac. Je veux le coffre. Le coffre. Qu'est-ce que j'en voudrais, hein? Mais non. Pourquoi je peux pas? Merci. Une boisson de vitesse. Bon, alors l'ancien armurier est plutôt excentrique dans le genre. Voilà des glaces derrière. C'est justement pour en manger que je suis venu à Wall Market. Non, on ira plus tard. Qu'est-ce que ça? Il faut quelque chose de doux, de beau, adorable pour nous. Dites, la nuit fait appel. Allons parler à Chadley. Cloud, moi je suis prêt à me déplacer n'importe où pour mes recherches, mais mes progrès dépendent de votre contribution. J'espère pouvoir toujours compter sur votre aide. Et qu'est-ce qu'un gamin fait dans un quartier des plaisirs? Encore plus chiant. Cloud, j'ai établi de nouvelles hypothèses. J'aurai besoin de votre aide pour obtenir les données correspondantes. Cloud, j'ai émis un rapport de combat pour une nouvelle matéria d'invocation.
À vous de vaincre l'invocation pour que cette matéria puisse voir le jour. Ah oui. Ils vous tiendront compagnie. 9 sur 14. Lequel on en a fini ? Alors. Gros chocobo. Ça donne envie. Créatures ont été développées. Ah oui, en spécimen, ça on va pouvoir le faire. Augmenter vos dégâts de 200% sur un ennemi en état de choc. Enclencher vision deux fois. État de choc, faites entrer 40 spécimens dans l'état de choc. D'accord. Cloud, merci pour votre coopération. Voilà. J'ai du nouveau en matière de matéria. Expertise des objets augmente l'effet de l'objet en combat de 30%. C'est très fort. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Allez, on va se faire gros chocobo. Je compte sur vous pour toujours m'aider à avancer dans mes recherches. Bon, je sauvegarde, hein, parce que... Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable. Dans certains jeux, les missions secondaires, on peut pas sortir des missions secondaires. Activated combat mode. Et ouais, mec. Alors, compétence. Analysation. Aucune donnée stratégique. Légère résistance au combat. Bien. Croise les doigts à coupeau. J'aurais dû, je suis con, j'aurais dû faire rire. Avec ça, je dois me concentrer. Wow. Il y en a un deuxième, intéressant. Un tomberry. Oula, attention.
compétence. Comme une prière. Moi, je vais invoquer Shiva. Amuse-toi bien. Merci. Je suis con comme un manche à balai, moi. Allez. Boum. Comment ça, boum? Allez, ça c'est fait. Ça va faire mal. Là, elle va faire grosse bombe. Comment ça, grosse bombe? Dégage, dégage. Allez, poussière de diamant. Je crois que ça va le tuer. Ça le tue ou pas? Compétence. Yeah. Allô. Il est chiant. Je vais me surpasser. Je peux me relever? Je peux me battre? Merci. Je vais te terminer. Allez, dégage. Ça fait pas si dur. Chier, non? Cloud, bravo pour cette victoire. Ce sympathique volatile bat tous les records en matière de taille et de masse. J'espère que cet imposant compagnon sera un allié de poids dans votre combat contre la Shinra. Parfois, la taille compte aussi. C'est fait. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Oui, oui. Je sais plus où est-ce qu'il va. Je suis venu faire feu avec les coqueurs. Oui, on va bien faire feu, tous les deux. Je suis si contente que vous soyez venus. Tout est à moitié. Quoi? Me dis pas que tu pars déjà. Je crois que j'ai encore trop bu. Vous voulez prendre l'air pour dessouler? Quelle chance d'être venu le jour. Ah, devrais-je entrer? Devrais-je passer mon chemin? Petite infirmière. Question philosophique me tourmente. Je ne sais quoi faire. Toi aussi, ça t'arrive? Ça arrive. On se ressemble alors. Toi aussi, tu déprimes en te sentant coupable et mal dans ta peau après avoir profité d'un bon moment? Mais c'est seulement pendant un petit moment. Et ensuite... Oui? Quoi? T'as une question? T'aurais pas vu Tifa? Tifa? Comment tu connais le prénom de ma future femme, toi? Mais attends, ça veut dire qu'elle est à Wall Market? Pourquoi? Comment ça? Me dis pas qu'elle est venue jusqu'ici pour me retrouver. Elle a besoin que je sois à ses côtés. C'est ça? Il faut que je la retrouve. Tifa! 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 C'était qui ce type? Laisse tomber. Il est pas important. Ouais. C'est parti pour une nuit à la douceur. Bonjour. Veuillez m'excuser, monsieur. Nous ne sommes pas encore ouverts. D'accord. Petite infirmière, là. Mmh.
Au lieu de comprendre doigt, j'avais compris noix. Donc j'étais en train de dire quoi ? Ils ont été jusque là ? Voilà, non mais c'est le hacker, hein, des fois. Il prend ses désirs pour des réalités. Qu'est-ce qu'il y a, petite abeille ? Qui êtes-vous ? Oh, mais tu es de la maison Feuillue ? Non mais, monsieur le mercenaire, tu ne sais pas qu'il ne faut jamais demander aux gens de Wall Market d'où ils viennent ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Bon, la vérité, c'est que j'ai toujours voulu devenir danseuse, depuis que je suis toute petite. Alors je viens ici la nuit pour danser. Je compte sur toi pour garder le secret devant les enfants, d'accord ? Je dois m'entraîner dur tous les soirs. Un jour, je serai la meilleure. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui. On dira aux enfants que... Client blacklisté. Il faut qu'on reste vigilant. Oh, que t'es... Ça suffit. Le blacklist. Quoi ? Blacklisting. Chose qui est interdite techniquement en France. Hein. On n'a pas le droit de faire de liste de clients. Il n'y a que la justice qui peut le faire. Hein. Voilà. Le meilleur est incontestablement méritant. J'affirme que c'est non seulement la pure vérité historique, mais que c'est... Salutations. Mais non, voyons. On vous dit juste qu'il est important de souscrire à une assurance. Vous souscrirez bien à notre assurance créature. Essayez-la plutôt. Oh, vous êtes donc intéressé par notre assurance? Dans ce cas, vous allez prendre le forfait le plus élevé que nous ayons. Mais non, voyons. On vous dit juste qu'il est important de souscrire à une assurance. Cassez-vous, je vais... Si vous avez... On verra plus tard. Oh non, vous êtes bien trop fanatisé pour qu'on vous écoute. Oh, vous pensez ? Venant de vous, c'est tout à fait cocasse. J'aime bien la petite madame en bas à gauche. Pardon. Quoi ? Moi, j'ai rien dit. C'est pas moi. Ok, alors, Wall Market, un moment assez chiant parce qu'il va falloir faire plein de quêtes à droite à gauche. Et surtout s'y retrouver dans ce Wall Market à la con. Allez, faisons encore un autre bar. Merci. Hein ? C'est un restaurant. Guy, t'en as pas marre ? Je te reçois. Hein ? Je suis prêt à tout pour l'avoir, celui-là. Laisse-moi tranquille ou j'appelle... Là, il y a plein de... De passage à droite à gauche, plein de trucs cachés. Ouais, t'as trop bu, mec. Alors. Protection. Oh non. L'odeur va me faire... D'accord. Tac, 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 qu'est-ce qu'il nous reste ? Oui, ces trois-là. Tout à fait. Équipement et matéria, on avait eu la matéria air d'effet, on n'a pas lu ce que ça faisait. Faut que je fasse vision, c'est vrai. Air d'effet permet d'élargir l'air d'effet des matérias aux cibles alentours et fait 60% pour les cibles multiples. Effet moins 45% pour les cibles multiples, 25%. Il est d'accord, oui. Ouais, c'est pour pouvoir toucher plus de gens. C'est avant, c'est ce qu'ils appelaient tous. Voilà, mais il faut que ce soit associé à notre magie. Par exemple, vous le faites sur foudre. Et si vous le faites... Et si vous avez foudre et feu, par exemple, et brasier, et ça va agir que sur foudre et pas sur brasier. Et le menu spécial. Tu peux le dire. Bonjour mesdames. Même pas. D'un côté, t'es dans un lieu où les mecs bien, il n'y en a pas beaucoup quoi. Hein, ils sont là pour faire autre chose que... Voilà. Enfin, désolé. Mais... Oh, attendez-vous. Il vaut mieux éviter les ruelles étroites. Il y a parfois des types louches qui y traînent. On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Nous, on peut se contenter de tirer au flanc. Quand on travaille, il faut éviter la surchauffe. C'est pour ça qu'il est parfois nécessaire de prendre des pauses, même non déclarées. Cette ruelle, c'est notre sanctuaire. Le meilleur moment pour s'y reposer, c'est le midi, quand il n'y a personne.
Oh, attendez-vous! Il vaut mieux éviter les ruelles étroites. Vous y pensez, vous? J'aimerais bien ouvrir mon propre magasin. Mais franchement... La musique, c'est à côté, je crois. En fait, il va y avoir des moments où les zones vont être plus ou moins vides. Il se présente comme une banque, mais il n'en est rien. C'est ici qu'on doit se retrouver. J'ai l'impression de me noyer dans une fourde. Bienvenue. On ne propose pas que des médicaments ici. Non, tu vends aussi de la musique. Merci. On a à peu près tout visité. Non, il nous reste encore plein de choses à faire. Déjà éclairer toute la map. On va les laisser faire ce qu'ils veulent. Hein. On va encore m'empêcher d'aller chercher ce coffre. Je veux ce coffre. Tu t'es occupé de régler le problème ? C'est réglé. Par contre, les nouveaux ont gagné. Il faut vraiment être curieux pour s'aventurer dans ces petites ruelles. Je vous laisse repartir parce que vous avez du cran. La prochaine fois. Oui. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais plus comment on fait pour tout ça, mais ça me reviendra. De toute façon, il va falloir tout explorer. C'est la compagnie oui. Shinra qui possède la banque centrale dont celle-ci est issue. Au final, tout revient dans l'an. Ouais. Oh. Nous, évidemment, qu'on voudra tous les. On a bien travaillé aujourd'hui. Tu veux qu'on aille dans le quartier animé pour t'étendre un peu ? T'as pas vu l'enseigne ? On vend des matérias. Et alors ? Mais je les ai déjà tes matériaux, mec. Tu vends de la merde. A plus ! Alors... Oui, d'accord. Oh, ça alors ? Je sens de l'énergie qui irradie de mes mains vers tout mon corps. La porte est fermée. Je me sens si détendu et serein. J'ai l'impression que mon corps... Voilà, je pense que tu as pris de la drogue. Et va me laisser y aller. Le jeu est gentil comme ça. Oui, c'est ça, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de me que je vous bouscule. Excusez-vous que je vous bouscule. Ok, ça, c'est fait, c'est éclairé. Ouais. Au moins, on est sûr. J'ai pas envie de faire Wall Market, mais on va être obligé de le faire. Enfin, c'est un moment assez intéressant. C'est fait. Je suis devenu fan de ces massages. Je dirais même que je pourrais plus jamais me passer de Madame M et de ses massages. Wall Market est vraiment comme on le décrit, il se présente. Alors... C'est parti, hein.
Allez, non, mais regarde. Normalement, moi. C'est ici qu'on doit se trouver. Ok, on est ressorti. La concurrence. La boutique d'objets automatisés vient d'ouvrir. C'est un homme qui vous parle, mais c'est une machine qui vous vendra tout ce dont vous avez besoin. Alors. Oh. C'est peut-être cassé. Et ça vient d'ouvrir. Venez découvrir un magasin d'un. Comment ? Vous n'avez rien pu acheter ? Peut-être un problème dans les branchements. Devant votre enseigne pour créer le buzz. Comment ? Vous n'avez rien pu acheter et vous vous êtes fait attaquer ? Mince ! J'ai dû me tromper dans les branchements. Miss Donars. Allez. Bienvenue ! Installez-vous où vous voulez. Hein ? C'est bon, viens avec moi. D'accord. Qu'est-ce que je vous sers ? Ah non, il faut peut-être... Bon, je sais plus. On n'a pas été voir ça. Vous savez bien que j'avais loupé le vendeur d'armes. Sinon, je peux pas aller à... de la virilité, mec et mec. Qu'est-ce que t'en dis ? On commence à bien voir les résultats, non ? Ah, les squats. Ouais, ouais, t'es bien taillé, là ! Tout le monde se souviendra de cette, ce moment dans FF7. C'est une salle de muscu légendaire. Si vous en mangez un, vous pourrez plus vous arrêter. Ils vous donneront des ailes. Goûtez au pop chocolat. Je le dis, c'est pas bon pour la planète. C'est la Mako. C'est parce que c'est sa vie. Bonjour. J'ai un contrat chez Shinra Records, mais malheureusement, le succès n'est pas encore au rendez-vous. C'est normal. Ça fait 7 ans que je suis chanteur, et même si j'ai pensé plusieurs fois à abandonner, j'adore ce que je fais. C'est mon tout nouveau disque. Je vous l'offre. Tenez. Merci. En effet. Ouais. Même si je n'ai pas vraiment de temps. Venez. Quand il y a un tournoi à l'arène, il y a aussi. Je vois. Ça va avec Kalachnikov. Bienvenue à la meilleure armurerie de Wall Market. Achetez des armes. Une épée brute, fine, fin infinie. Faites tournoyer l'épée et l'abat puissamment sur l'ennemi. Consomme 2 barres d'ATB et dégâts augmentés contre les ennemis en état de choc. Ouais, donne-moi ça. Merci. Merci, à bientôt. Un petit coffre là. Ce que j'espère, c'est que cette paix continue de durer. En face est fermé. Regarde là-bas. Je crois qu'on a trouvé où habite Corneo. C'est sa résidence. Ah. D'accord. Et il y a des trucs. Allez. C'est vrai que. Elle donne quoi ? Alors, il faut d'abord améliorer l'arme. Hop. Après, on ira améliorer les armes de Tifa. Sait-on jamais, ça pourrait peut-être servir. Débloque des aptitudes de l'épée brute. Débloque des aptitudes. Choc régénérateur. Hop, il est où ? Restaure les PV lorsque le personnage attaque un ennemi en état de choc avec sa compétence spéciale. Les attaques physiques. Attaque magique. Ouais, dès que c'est attaque, moi. Ça va. Allonge la durée des effets bénéfiques sur un personnage. Tout ce qui est
protection et tout. Attaque physique plus 8. Dégâts des attaques normales. Toujours pratique. Attaque aérienne. Dégâts des attaques, bravoure du soldat. Dégâts aux parties destructibles, non. Ah merde. Partie destructible alors. Non, bravoure. Allez. Il va falloir mettre l'épée, mais on va perdre une matéria. C'est laquelle que je vais perdre d'ailleurs? Normalement, c'est chakra que je perds. Putain. Ouais, j'ai perdu chakra. Oh, bientôt niveau 3. J'ai enlevé Vénice pour mettre chakra. Ce chakra, c'est tellement puissant. Petite baisse de framerate ici. Et comment elle s'est disposée en triangle sur celle-là. C'est bien fait. Valanche. On va devoir venir ici un moment, peut-être. Non, la baisse de framerate ici. Je trouve. Pas forcément beaucoup de choses à afficher pourtant. Mais... même petite baisse de framerate. C'est fermé! Et là, il a plus la baisse de framerate. Marrant. C'était vraiment un chargement de la zone. Ah, il a peut-être chargé la zone d'au-dessus. Peut-être. Peut-être chargé la zone d'après. Peut-être passer un trigger. Peut-être. Allez, on va en avant. Chargé! Coffre, un coffre qu'on peut prendre. Oui. 1200 gilles, ça va. Mon épée m'en a coûté 2000. Et là. Un été sur mon bateau, non. Alors. Et puis des petits coffres, et des coffres. Non, je ne peux pas passer lié à un mur invisible. Il n'y a que les jeux mauvais hein, qui utilisent le mur invisible. Bonjour. Hé hey, casse-toi de là. C'est pas pour les hommes ici. Je recherche quelqu'un. Hé hey, c'est la première fois que tu viens à Wall Market? Qu'est-ce que ça peut te faire? La résidence est interdite d'accès. Surtout aux hommes. D'accord. Et moi, je peux entrer? C'est pas une partie de plaisir pour les femmes non plus. Oh, attends Leslie. Elle est plutôt mignonne, non? Plutôt mignonne? Il en faut plus que plutôt mignonne ici. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Est-ce que vous savez au moins ce que c'est comme endroit ici? Iris? Allez, Leslie, c'est pas un top model, mais bon, elle est mignonne quand même. Cloud, je peux lui mettre mon poing dans la figure? Vas-y. Va récupérer une lettre de recommandation. Avec ça, tu pourras passer une audition. On l'obtient où, cette lettre? Dans la ville de Wall Market. Il y a trois personnes qui connaissent parfaitement les goûts de Don Corneo. D'abord, Sam de l'étable Chocobo. Il y a aussi Madame M du salon de massage. Et enfin, il y a Andy, le gérant de la ruche. Je vous préviens, ils sont tous les trois très originaux. Vous obtiendrez pas votre lettre de recommandation facilement. Je vois. Ça marche. Compris. Merci. Mmh.
Voilà. Donc. On va devoir aller voir les trois collaborateurs, faire des trucs, tout ça, tout ça. Évidemment, quoi. Aerys, t'es sûr de toi? Pourquoi? Tu as une autre idée? Non, mais... Je sais exactement ce qui vous tracasse! Tifa est dans la résidence de Cornéo, c'est ça? Hein? Mais le problème, c'est que pour entrer dans la dite résidence, il faut d'abord obtenir une lettre de recommandation, n'est-ce pas? Ha! Parfait! C'est moi qui vais aller sauver Tifa! Oh oui! Attends-moi, Tifa! J'arrive tout de suite! Par contre, je ne suis pas sûre qu'il ait tout compris. Non. Ok, on va se faire une petite sauvegarde et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye!